suis installé à Tocane Saint-Apre depuis, ça va faire bientôt 5 ans. Ça fait une quarantaine d'années que la boucherie existe, et même un petit peu plus. Voilà. Moi, j'ai repris ça, j'ai repris une boucherie à monsieur Pujane, Daniel. Ah ben, j'ai démarré tout seul et maintenant, j'ai trois ouvriers. Là. Trois ouvriers, voilà. Plus ma mère qui vient bon, à la caisse de temps en temps le matin, un petit peu, pour nous donner un petit coup de main, mais sinon, voilà. On arrive, on refait l'étalage tous les matins, quoi. Tous les matins, on arrive, on refait l'étalage, on attaque la charcuterie derrière, bon, l'ouvrier attaque sa charcuterie. Et puis voilà, on ouvre à 6h le magasin est ouvert dès qu'on arrive, quoi. Donc les clients arrivent depuis 6h le matin pour les casse-croûtes, pour tout, voilà, jusqu'au soir à 19h30. J'en viens de loin, surtout chercher boudin, andouillette, jambon blanc qui est réputé aussi. Le matin en arrivant, ben, il attaque son boudin à 6h, quoi. Hein. Ah ben, c'est à l'ancienne, c'est comme on le faisait autrefois, quoi. On met les têtes entières dedans, avec les os, tout. Il désosse ses têtes, c'est plus long, c'est beaucoup plus long que si on désossait tout à l'avance et tout. Mais bon, après le produit n'est pas le même, hein. c'est cuit avec les os, avec tout. C'est plus long à faire, mais c'est la qualité est là, quoi, après. Andouillette à l'ancienne aussi, on retourne les chaudins comme on faisait autrefois au bord de la rivière, quoi. C'est le goût d'une andouillette à l'ancienne, ça n'a absolument rien à voir avec une andouillette faite en cuit 20 minutes et puis voilà, quoi. Le veau, c'est un oncle sur sel, là, à côté, là. C'est à 10 km d'ici, là. Après, en bœuf, j'en prends un petit peu partout. Mais la semaine prochaine, dans 15 jours, là, j'ai deux bœufs de Bazas là, que je vais faire tuer, qui sont à Saint-Martin de Ribérac, chez Delru. C'est élevé à l'ancienne encore. Une blonde d'Aquitaine, vous allez mettre un an pour la faire venir, comme ça. Qu'avec de l'ensilage, en 3-4 mois, ça peut être venu, quoi. Ça n'a rien à voir. Mais après, le produit, vous levez un morceau de viande, il n'y a pas d'eau dessous, il n'y a rien, quoi. C'est du bon, c'est. Voilà. J'ai embauché un petit jeune l'année dernière, le dernier embauché, il fait que ça. Hein. Bon, avant, je n'avais pas le temps de faire mes pieds cuits, tout ça. Il me fait mes pieds cuits, il va me faire mes saucissons à l'ail. Il me fait tout un tas de produits nouveaux quoi, que je n'avais pas le temps de faire avant. Dans 10 ans, bonne question. Bon, mais ça aura changé. Hein. Investissement, casser des murs, agrandir. Je la vois encore plus jolie, quoi, plus florissante, ouais. Encore plus de monde. Et... plus d'ouvriers sûrement, j'espère.